Bonjour ou bonsoir tout le monde. Tout dépend quelle heure vous allez voir cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, vous allez m'écouter bien, vous allez regarder la vidéo. Vous n'aurez pas besoin de revenir une deuxième fois ou troisième fois pour revenir, pour regarder. Si vous écoutez bien, si vous regardez la vidéo du début jusqu'à la fin, d'accord, vous allez comprendre, d'accord? Ou sinon, enregistrer la vidéo, c'est mieux. Ça sert à quoi de revenir? Donc, aujourd'hui, à une condition. Vous savez, je vais vous parler du muscle. Il y a plusieurs sortes de muscles. Il y a le rouge, le blanc et il y a le noir. Il y a le muscle aussi du Rukya al-Shar'iyya, pour enlever la sorcellerie, avec des versets du Coran. D'accord? Vous avez le rouge, je ne l'ai pas ici. J'ai le blanc et le noir. Alors vous allez, si vous habitez Paris, région parisienne, vous leur dites à l'Étoile du Sud, la boutique de l'Étoile du Sud, vous leur dites, je veux le demander leur de vous donner le musc noir pour le Ruqya al-Shar'iyya. Et là, il y a pas de préférence de jour. Vous pouvez le faire n'importe quel jour, mercredi, jeudi, vendredi. Alors, pour ça, pour ceci, il vous faut le vrai musc pour Ruqya al-Shar'iyya, le vrai musc. Parce qu'il y a le noir, l'autre noir, non. Il faut lui dire, faut leur dire, faut dire à la personne qui vous donne le musc pour Ruqya al-Shar'iyya. Et ça, par exemple, quelqu'un de votre famille peut, par exemple, le faire avec vous. D'accord? Il faut les petites ablutions et les grandes ablutions. C'est important. Ensuite, vous allez prendre le petit bout de muscle, d'accord, dans votre main droite, et celui qui va lire le Coran, c'est pareil. Vous allez lire Ayat el-Kursi. Vous savez, le verset du Kursi, le verset du trône, on peut dire en français le verset du trône. On ne dit pas verset, on dit ayat. Une fois. Vous allez lire le verset de El Kafiroun, d'accord, une fois. Vous allez lire le verset de El-Ikhlas, une fois. Le verset de Ennès, une fois. Vous allez lire le verset de Falek une fois. Une fois de chaque. Pour enlever la sorcellerie. D'accord? Ou aussi pour les gens qui sont possédés. Mais c'est-à-dire à faire régulièrement. Ok. Et si, par exemple, pour les personnes qui ont de la sorcellerie mangée ou sorcellerie, n'importe, et ça c'est définitif. Définitivement, c'est fini. Aucune personne. Même si la personne a vos vêtements sales, parce que c'est avec ça qu'on fait la sorcellerie, ou vos photos, vous ne craignez rien du tout. Ok. Vous aurez besoin, vous allez manger que des dattes. Sachez que les dattes, il faut les manger, en fait, sachez. Vous mangez tous les matins à jeun, 7 dattes. Soit vous les mangez tous les matins et tout le temps, sans s'arrêter. Soit vous les mangez 7, je dis 7 dates, tous les matins, pendant 7 jours. Vous vous arrêtez, vous reprenez le mois d'après, 7 jours. Soit vous allez manger 7 dates tous les jours pendant 40 jours. D'accord? Soit, alors je répète, 7 dates tous les matins, pendant 7 jours, et vous recommencez le mois d'après, encore 7 jours, ou sinon, vous pouvez aussi, pendant 40 jours, d'accord, vous mangez des dattes, 7 par jour, ni 3, ni... non, 7. Si aussi vous voulez les manger, par exemple, 7 par jour pendant 7 jours, vous pouvez, si vous voulez, vous arrêter et recommencer une semaine après. Par exemple, 7 jours oui, 7 jours non. Mais le mieux, c'est d'avoir des vraies dattes, d'accord?
pendant 7 jours, tous les jours, si vous voulez. Aucune sorcellerie ne vous touchera. Pas le mauvais œil. Le mauvais œil, c'est autre chose. Hein. Ça, c'est pas pour le mauvais œil, mais c'est pour la sorcellerie. Enterrée, jetée devant votre porte, accrochée, jetée, je ne sais pas, dans l'eau, ou n'importe. Je ne parle pas à la mer. Non, n'importe quelle sorcellerie, d'accord. Eh bien, sachez que si vous mangez des dattes tous les jours, mais 7, ne me dites pas ce que je peux manger 3, est-ce que je... parce qu'il y en a une, elle m'a dit, ouais, elle me trouve agressive avec les abonnés, c'est normal, ils sont débutants. Non, moi, je ne suis pas une prof, déjà. Moi, je suis là parce que des fois, on se fout de ma gueule. Je ne suis pas là ici pour vous... Pour, parce que quand je dis il faut faire ça, les gens, ils vont. Quand vous êtes à l'école ou au lycée ou au collège, j'en sais rien, quand vous étiez au collège, quand le prof vous donnait ça, il vous disait faites ça, vous n'allez pas. Si vous faites autre chose, et, par exemple, il va vous demander de conjuguer ça, et vous, vous allez conjuguer, par exemple, le verbe chanter, vous allez. Conjuguer le verbe danser. Excuse-moi, parce que ça veut dire que tu n'es pas concentré de ce que tu fais. D'accord ? Je ne suis pas agressif, mais c'est normal parce que ça m'énerve. Donc, alors ne me dites pas c'est quoi le kafiroun ou c'est quoi le ikhlas. Vous allez les lire, c'est tout. Par contre, si vous voulez que la sorcellerie ne vous touchera jamais, qu'elle soit mangée ou enterrée ou tout, cette date, mais à vie. C'est vous qui voyez, je ne vous force pas. Cette date tous les matins. Tous les matins, cette date. Sachez que aucune personne ne pourra vous faire du mal. Même si les gens, ils ont vos affaires, ils ne pourront jamais, jamais, jamais vous faire quoi que ce soit. D'accord ? Ou sinon, comme je vous dis, cette date pendant 7 jours, on s'arrête encore 7. On s'arrête une semaine, si vous voulez, parce qu'il y en a, c'est vrai qu'ils se lèvent direct le café, il y en a qui boivent le thé. Moi, c'est quand je me réveille, c'est le café au lait, mes petits biscuits ou tartines avec du miel. D'accord ? Mais les 7 dates tous les matins, ceux qui aiment les dates, et si vous n'aimez pas, je ne peux rien faire pour vous. Je souhaite désolée. 7 dates tous les matins, mais tout le temps. Ou sinon, faites comme si vous faites une cure. Pendant 40 jours, 7, on s'arrête. Et après, on s'arrête. Arrêtez 40 jours, si vous voulez, reprenez. C'est vous qui voyez, si vous voulez le faire. Par exemple, 7 jours, oui, vous arrêtez 7 jours, vous recommencez. Mais le mieux, comme je vous dis, 7 tous les matins. Tous les matins. La sorcellerie existe, et croyez-moi, elle est là. La sorcellerie. Les gens méchants, ils sont toujours là. Les gens jaloux, les gens qui vous attaquent sur votre physique, les gens qui vous attaquent que sur vous avez un bien, que ça soit voiture, une maison, ou n'importe où, un travail, où vous êtes un beau couple. Protégez-vous, s'il vous plaît. Protégez-vous et écoutez-moi bien. Sinon, sous-sous, attention. Donc, j'espère que vous avez compris. Vous allez regarder ma vidéo et concentrez-vous. Si vous connaissez un Raki, celui qui enlève la sorcellerie, d'accord, Ayat al-Kursi, verset de Al-Kafiroun, verset de Ikhlas, verset de Enas, verset de Al-Falak. Je vous l'approche, vous cherchez sur Internet. Pour ceux qui ne savent pas lire l'arabe, vous pouvez lire traduction française, il n'y a aucun souci. Ou arabe phonétique, c'est vous qui voyez. Si vous savez lire l'arabe, allez-y. D'accord ? Alors, je vous dis, je vous souhaite une très bonne journée ou très bonne soirée. Tout dépend quelle heure vous allez regarder ma vidéo. Mais n'oubliez pas, il y a le musc de rokia. Alors, quand je dis musc de rokia, c'est le musc de rokia, pas n'importe quel musc. Le musc noir, hein, spécial rokia. L'étoile du sud, demandez-lui. Sinon, si vous habitez à Toulouse, il y a M. Djebli. Je ne sais pas s'il le vend, mais demandez-lui. Gros bisous à tout le monde.